Wallonie Belgique Tourisme présente les recettes de la Wallonie gourmande. Bon alors, mon petit Eric, on part où ? Julien, bienvenue dans ton carnet de route. Aujourd'hui, l'itinéraire s'appelle la Meuse gourmande autour de Namur et de Dinan. Tu peux visiter, dans le coin, l'autrucherie du Pont d'Amour. C'est un endroit où on voit donc des autruches, puisque ça s'appelle une autrucherie. N'oublie pas que les eaux dures au bistrot sont un peu grands. La brasserie du Boc, magnifique brasserie où l'on produit notamment la Gauloise. L'escargotière de Warnant, l'escargotière, tu vois, c'est un endroit où les escargots se reposent le soir au fond des bois. Le safran de Patrane, on fait aussi du safran en Wallonie. Et tu peux aussi visiter le musée de la fraise et du jardin de Wépion. Devine où ça se trouve et ce que l'on y montre. Mais oui, tu as tout compris, mon Juju. Bonne route. Moi qui pensais qu'on était amis, mon petit Eric. Mais c'est pas grave, tu te moques ? Eh ben regarde ce que c'est qu'un vrai cuisinier. Bon alors, pour cette recette, eh ben vous savez quoi ? Je vais vous surprendre. Autruche, safran. Oui, nous sommes bien en Wallonie. Regardez. Alors ce superbe filet d'autruche du Pont d'Amour, bah, vous savez quoi, il y a plein de choses à savoir. De un, que c'est une viande très maigre. De deux, que c'est une viande qui aime être bien saisie. C'est-à-dire avoir une belle croûte. Attention, il faut être bien gourmand. Et surtout, 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 eh oui, ça aime le poivre. Oui, je sais, je n'aime pas le poivre. Je déclare forfait sur ce coup-là. Bon, maintenant qu'on a bien saisi notre viande, je viens de diminuer justement la cuisson pour... Termine la cuisson délicatement et doucement. N'oubliez pas, ni bleu, ni trop saignant, entre les deux. Et alors, pour accompagner tout ça, ça va être assez simple. On va faire un petit toast de pain, une petite fondue d'épinards comme ça, juste à la mito au beurre. Et pour terminer tout et amener du peps, vous savez quoi ? Une vinaigrette au safran. Ce beurre d'Ardenne, cette odeur de chez nous, qu'est-ce qu'on aime ça. Bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une bonne petite vinaigrette avec la moutarde, bien sûr, de safran de Anne et Patrick. Oui, la moutarde avec un tout petit peu d'huile comme ça, l'huile de noix, vous savez quoi, le mélange ensemble, somptueux, délicat, bref, la Wallonie. Je vois ce volcan de saveurs et de produits, bien de chez nous et bien wallon, bien entendu. Mais vous savez quoi, j'ai envie de dire une seule chose. Mon petit Eric, va un peu voir ce qui se passe là, du coin de la Meuse. Oui, oui, plein de belles choses. Je trouve que la Gauloise s'impose. La Gauloise de la brasserie du Boc à Purnode, à côté de Dinan. Bière bien connue du paysage wallon, même si Gauloise, ça fait un petit peu sans filtre et française. On va avoir une blonde ici qui est bien nette, dorée, riche. J'ai raison, ça marche. Je suis certain que ça marche. De toute façon, t'oserais pas dire le contraire, hein ? Est-ce que j'ai déjà douté de tes paroles, mon petit Eric ? Oui, c'est vrai, peut-être quelquefois. Mais sur ce coup-là, t'as tout à fait raison. En attendant, n'oublie surtout pas, vive la Wallonie gourmande. Allez, santé. Bon alors, les amis, je sais que vous êtes amoureux, tout comme moi, des bons produits. Eh ben, vous savez quoi ? Il n'y a qu'un livret à avoir. C'est les 28 itinéraires gourmands. Ou alors, tout simplement, allez sur le site internet. Alors, je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir.